Bonjour, bonjour à tous, c'est Relevé King, on se retrouve aujourd'hui sur Jurassic World, le jeu pour un combat, du coup, alerte de boss, on va aller combattre ce petit pépère, Akupara 81, on a fait déjà quelques 11 missions, voilà, un petit peu de dégâts qui ont été mis, vidéo rapide donc, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, aujourd'hui, au moment où vous verrez cette vidéo, puisqu'elle sera programmée, je serai en train de sortir de l'opération, enfin je serai sorti d'une opération extraordinaire, hein, de la paupière, chez l'ophtalmo, normalement. Enfin, il m'a dit au téléphone, ouais, il y a un risque d'opération, du coup, voilà, soyez prêts, mais c'est pas sûr, ça dépendra d'eux. Donc, on ne prend pas le risque, je pars du principe qu'il y aura opération, qui me dira, attention derrière, faut pas forcer sur les yeux pendant la journée, donc on se mettra pas devant les écrans, donc on enregistre avec un pas d'avance. Alors, le petit Akupara, niveau 8, ce serait bien de le faire passer niveau 10. Ce serait l'objectif de cette vidéo, atteindre le niveau 10. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est Grotte, hein, qui tue. Très bien. Ils ont un objectif ici, 3 surfaces légendaires et pareil 4 attaques. Enfin, toutes les attaques 4 fois. 3 surfaces. On peut envoyer 3 surfaces, oui. On peut envoyer 3 surfaces, on va faire ça. Comme ça, histoire de mettre un peu de dégâts. Oh bah tiens, ça vient de me revenir. Dans la vidéo d'hier, je vous disais, j'ai l'impression qu'il me manque un truc que je voulais vous dire. Ça vient de me revenir. Une nouvelle série va arriver sur la chaîne. Une nouvelle série sur un jeu qui m'avait été demandé. Et ça bug. Oh. Et je pense que je vais la lancer très prochainement. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Donc j'hésite encore un peu. Et bah, je vais vous en parler là. Je vous ferai un sondage probablement. Je sais pas si je vous ferai un sondage. J'ai bien envie de découvrir avec vous Monster Hunter. En plus, il y en a un qui est sorti en début d'année là. Rise. Et apparemment, c'est un jeu qui est vachement bien. L'objectif, c'est chasser des monstres, des dinos, on va dire, un petit peu monstres, etc. Du coup, ça me tente bien de le faire. Surtout que c'est un gros jeu et c'est un jeu, voilà, ultra intéressant, etc. Du coup, ça me tente bien d'en faire et de vous proposer les vidéos de chasse des espèces, histoire qu'on découvre ensemble et qu'on combatte, hein, toutes ces espèces, tout simplement. Mais est-ce que ça vous intéresse? J'ai cette idée de lancer cette petite série sur la chaîne. Donc je sais pas si ça vous intéresse. Je vous pose la question. Monster Hunter, vous aimez? Oui? Non? Je sais que pendant un moment, beaucoup parmi vous m'en ont parlé. Ce serait bien qu'ils fassent du Monster Hunter, etc. etc. Je sais pas si c'est toujours le cas. Du coup, voilà, je vous lance l'idée. Peut-être que j'en ferai, peut-être que j'en ferai pas si vraiment personne me dit j'aime. Hein. Mais en tout cas, c'est une idée. 3 surfaces, pareil, 10 points d'attaque, 4 points, ouais, et attaque à 8, 8, et 8 attaques à 5 points. Oh, c'est chiant, ça. Ah, j'aime pas, ça. J'aime pas les attaques à 5 points. Voilà. Je le dis comme je le pense. J'aime pas les attaques à 5 points. On envoie ça, on va faire les attaques à 5 points, mais j'aime pas les attaques à 5 points. Parce que c'est long. 8 attaques en plus, c'est long. Ça m'intéresse pas. Après, il y a 400 ADL, et que, bon, voilà, c'est quand même important, 400 ADL, hein. Mais ça m'intéresse pas. Mais on va le tenter. Hop, hop, hop. Très bien. Du coup, voilà. Peut-être une nouvelle série qui va arriver sur la chaîne sur Monster Hunter. Qui est, bon, du coup, dans l'univers un peu. Hein, dino, etc. de la chaîne. Puisque c'est des grands combats, vous allez voir. Hein, si vous connaissez pas, c'est ultra stylé. J'avais testé Monster Hunter World. À l'époque. Mais j'avais pas aimé le gameplay manette. Là... On serait sur un gameplay bah, clavier-souris, hein, puisque je jouerais sur PC. Donc voilà, je sais pas, je lance le truc, quoi. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, ne se prononce pas. Vous me dites. Vous me dites. On met les attaques à 5 points. Tac, 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 tac. Ok. Et je suis en train de, du coup, avec ça et ce que je vous ai dit hier, c'est-à-dire qu'on maintenant on aura 2 lives par semaine sur la chaîne YouTube, mercredi soir et jeudi soir. Je suis en train de préparer un planning bien précis des sorties de vidéos qui seront assez régulières. Et je pense que je vais vous, je peux vous en parler. Pour l'instant, je suis en réflexion. Hein. Je suis en train d'y réfléchir. Mais de mon objectif, de mon idée personnelle là actuellement en réflexion, hein, je suis en train d'y réfléchir.
C'est-à-dire que toutes les semaines, tous les jours, vous savez quelle vidéo, quel type de vidéo va sortir. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu, voilà, c'est un peu au hasard. On sort une vidéo et puis, voilà. C'est vrai, non mais, faut le dire. C'est un peu au hasard. J'ai décidé de faire un truc plus précis. Ce qui fait que, le lundi, alors vous allez me dire, bah, c'était pas le cas hier, c'est sûr. Mais comme je vous ai dit hier, bon voilà. Et en plus, faut le temps que je mette en place le truc, que j'enregistre d'avance, etc. Hein. On charge. Le lundi, ce serait une vidéo sur Arc, donc la série multi. D'accord ? Le mardi, ce serait vidéo Jurassic World de jeu. Soit sur le tournoi du week-end, comme ça après j'ai pu faire le montage, etc. Soit une vidéo comme là actuellement, quoi. Si j'ai pas fait le tournoi, bon voilà. On charge. Le mercredi, du coup, on serait en live sur Arc actuellement, mais en tout cas, ce serait live le mercredi soir. Le jeudi, on serait en live soit sur The Isle ou Path of Titan. Tac. J'aurais pas dû faire ça en vrai, j'ai été bête, j'aurais dû charger. Et ouais, c'est un échec. Ouais, c'est pas grave. Le vendredi, on referait une vidéo Jurassic World le jeu, parce que c'est quand même la série qui marche le plus sur la chaîne et que, voilà, c'est ce qui vous intéresse le plus, hein, au final. Je vais mettre deux charges, trois parades, avec un peu de chance. Le samedi, du coup, j'imagine que ça serait une vidéo sur le jeu, comme là, je vous dis, un Monster Hunter. Ça peut être sympa, tu vois. Tous les mercredis, la suite de la série, sachant que bah, je vous couperai tous les moments d'histoire, etc. Parce que bon, on n'est pas... Les let's play, ça n'intéresse plus sur YouTube. C'est vrai, ça n'intéresse plus. Du coup, on est dans cette réflexion-là. Hein. On propose... Enfin, les let's play, c'est sur la chaîne de replay. Si vous voulez du let's play, c'est sur la chaîne de replay. Il n'y aura pas de let's play sur Monster Hunter, d'ailleurs. Hein. Mais bon, voilà. Du coup, je me dis, le samedi, des vidéos sur Monster Hunter, par exemple. Ou autre jeu dans le style. Ça peut être sympa, tous les samedis, du coup. Et le dimanche... Une vidéo sur la série que j'ai lancée, Jurassic World Evolution 2, construction d'enclos. Et j'ai une autre petite série en tête qui pourrait être sympa aussi. Qu'on fera dans pas si longtemps, je pense. Dans pas si longtemps, mais pour l'instant, on va faire Jurassic World Evolution 2. Comme ça, ça me permettra d'avoir le temps de regarder, de vous laisser mettre des commentaires sur les vidéos de Jurassic World Evolution 2, les constructions, là. Comme ça, vous avez le temps de laisser mettre des commentaires. Je les regarde, j'y réfléchis et j'enregistre. Comme ça, ça laisse vraiment le temps de faire les enclos propres et après vous faire un petit montage, etc. Donc voilà, on est pour l'instant sur cet objectif-là de planning. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas. Du coup, ça, alors je rappelle rapidement, parce que bon, j'ai commenté en même temps, mais l'idée pour l'instant, ce serait du coup... attention, hein. Écoutez bien, comme ça c'est clair et net. Tous les lundis, ce serait une vidéo Arc. Le mardi, Jurassic World, le jeu. Le mercredi, un live sur Arc. Arc Multi. Le jeudi, un live. Donc pareil, le soir. C'est rediffusé, hein, quoi qu'il arrive, hein, vous inquiétez pas. Un live sur The Isle ou Path of Titan. Path of Titan. Enfin voilà, j'arrive pas à prononcer le nom. Mais voilà, vous comprenez. Hein, vous savez ce que c'est. Tac, tac, tac. Et de part. Le vendredi, Jurassic World, le jeu. Le samedi, Monster Hunter ou autre jeu dans le style. Hein. Et le dimanche, la vidéo sur la construction Jurassic World Evolution 2. Et une fois qu'on aura fini cette série-là, on fera autre chose, etc. Bon, voilà. Mais au moins, bah, vous avez une idée de ce que j'ai en tête actuellement. Et ça ferait un planning très précis. Tous les jours, vous pourriez vous dire, aujourd'hui on est lundi, du coup c'est tel jeu. Aujourd'hui, on est mardi, du coup, c'est tel jeu. Mercredi, ce soir, il n'y aura pas de vidéo, mais il y a le live de soir, trop bien. Après, de temps en temps, il y aura des vidéos en plus, hein, évidemment. Je fais les vidéos, les attaques à 5K, bien sûr. Il y aura des vidéos en plus, hein. De temps en temps, soit parce qu'il y a un jeu qui est sorti, un DLC de Jurassic World Evolution, ou un truc comme ça, il y aura des vidéos en plus qui se caleront. Mais normalement, le planning de base, c'est ça. Je pense que c'est pas mal. Voilà, je le dis. Je mets 5 pour l'objectif. Parfait. Je pense que c'est pas mal. C'était une bonne info encore ça. Hein? Qu'est-ce qu'on en pense? Ok, parfait, il m'a tué. Bon, on va mettre un peu de dégâts maintenant. Je crois que j'ai fini les attaques à 5 points.
Ouais, c'est bon, j'en ai mis 3, donc c'est passé. Perfecto. Ok. On va pouvoir attaquer. On va utiliser toutes nos espèces, comme ça c'est fait. Ça, ça meurt. Ça, ça attaque, ça, ça attaque. Voilà. Voilà. En avant. Parce que de temps en temps, c'est vrai que, voilà, il y a des gens parmi vous qui m'ont déjà dit... ce serait bien qu'on sache ce que tu vas sortir à l'avance, les lives sur quoi tu vas les faire à l'avance, etc. Et c'est vrai que pendant une époque, j'avais ça, mais ça date hein, maintenant. Puis j'ai arrêté parce que avec les soucis de connexion internet que j'avais, j'arrivais pas à tenir le rythme. Entre les envois, les enregistrements, j'avais pas un très bon PC, donc quand je voulais faire du montage, ça prenait beaucoup de temps, etc. etc. Bah maintenant que tout va un petit peu mieux, on peut se permettre de réorganiser un peu plus la chaîne. Déjà, début d'année, on s'est recentré sur les jeux de dino. Et bah maintenant, on va faire un planning un peu plus propre. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas sûr de ce qu'il a fait. Je vais faire 404. Histoire d'avoir mes 8 actions avec l'orthocantus. Pour mettre les dégâts. S'il attaque pas, tant mieux. Parfait, ça, il a pas attaqué. Je vais mettre 4 parades. Comme ça, s'il met 4 attaques, eh ben, on survit. En plus, s'il met tout, ben, je survis aussi. Ça ne sert à rien. C'est vrai. Et du coup, on peut remettre 4 attaques. Papapam. Papapam. Boss de niveau 13. La Kupara. Niveau 81. Ok, il est attaqué. Et on va tout mettre. On va tuer le niveau 13. Il a mis une parade. J'espère qu'on va atteindre suffisamment de dégâts pour atteindre le prochain niveau de récompense ADL. En dégâts. Ça me plairait quand même de prendre 1000 ou 1500 ADN, je sais plus combien c'est. C'est quand même pas mal, hein. Ah bah c'est 2000, c'est même encore mieux que ça. Ah bah ça passe. Allez, j'ai fait ça aussi au passage. Ah non, ça passe pas, il nous manque 6000. Oh, dommage. Bon, c'est pas grave. On va envoyer ça. Qu'est-ce que j'ai de dispo là? Rien du tout, hein. Ça pour mettre un tout petit peu de dégâts et les nodus pour finir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Petite charge, bien sûr. Papapa. Très bien. On charge. Aïe. Ah bah non, mais si c'est bien. J'allais dire, ah non, il a rien. Mais si, c'est très bien. Parce que du coup, je peux mettre 2 parades et potentiellement tanker un peu. Il a tout mis. Ah, 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 ah. En 603, clairement, on met pas assez de dégâts par rapport à l'Enodus. On va juste mettre 4 attaques. En plus, il nous tue en une attaque, lui, de son côté. On est à 3008. Je crois qu'il était, on était à 93 bits, je crois, dégâts sur 100 000 nécessaires. Donc, on est bon. Parfait. Tac, 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 tac. Eh, les dégâts sont mis. Et boum. Le niveau 15 est atteint. Alors j'ai pas fait beaucoup de combats. Hein. On aurait pu monter plus. Mais c'est pas si mal. On prend 2000 ADN. Voilà, parfait. Let's go. 2000 ADN. Parfait, parfait. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo Jurassic World, le jeu. Les infos ont été données. Pas mal d'infos intéressantes. Hein. J'espère, en tout cas, que vous les avez trouvées intéressantes. Et que bah, vous êtes contents des décisions qui sont prises. Et n'hésitez pas, du coup, à me dire ce que vous pensez de Monster Hunter. Est-ce que ça vous intéresse d'en voir sur la chaîne? Sachant que ce serait vraiment des vidéos de combat et pas, pas un let's play de l'aventure complète. Vraiment, ce serait... Hop, moi, j'y joue de mon côté, histoire de...
d'avancer, etc. Et au moment du combat, bon bah je vous poste le combat quoi. Ça peut être, je pense que ça peut être sympa et ça peut amener des vidéos intéressantes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner également, activer la cloche pour être sûr de ne pas rater la suite de nos aventures sur la chaîne. Et le petit pouce, ça fait toujours plaisir bien évidemment. Bisous à tous, bonne journée et à la prochaine. Allez, ciao.